À l'entame de cette année 2021, je voudrais d'abord remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de m'avoir fait le grand honneur de m'élever au rang et à l'appellation de général de corps d'armée à compter du 15 janvier 2021. Ceci est un renouvellement, c'est une marque de renouvellement de sa confiance à mon endroit et de son soutien à la gendarmerie nationale. C'est aussi une invite à faire plus et mieux. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier Monsieur le ministre des Forces armées, le gouvernement et l'ensemble des grands services de l'État pour leur soutien constant à la gendarmerie nationale. À l'endroit de la gendarmerie, j'adresse à tous, à vous tous, mes voeux les meilleurs de santé et de bonheur familial. Que 2021 soit une excellente année pour vous et vos familles. 2020 a été une année très difficile, marquée par une grande pandémie, celle de la COVID-19. La pandémie n'est pas finie. Nous faisons face en ce moment à une deuxième vague. Je vous rappelle que c'est un combat que nous allons mener personnellement et collectivement en partenariat avec tous nos concitoyens. Tenons le cap pour vaincre cette pandémie. À l'endroit de nos anciens, de nos aînés de la deuxième section, je réitère mes remerciements, mon soutien et présente aussi des vœux de bonne et heureuse année 2021. À nos concitoyens, nos partenaires de la sécurité, je souhaite une excellente année 2021. Devenez-nous.